Hi guys, on va parler de cette nouvelle ô combien importante, la nouvelle que effectivement The Walking Dead va changer de showrunner. Alors moi j'étais comme ça. Et au final j'ai totalement déchanté lorsque j'ai su que Scott Gimple était promu au poste de Chief Content Officer, c'est-à-dire au-dessus du showrunner, c'est-à-dire que là en gros il va superviser tout ce qui est licence télévisuelle de The Walking Dead, donc The Walking Dead et Fear the Walking Dead. Quelque part c'est pas trop étonnant puisqu'il était déjà showrunner de The Walking Dead plus producteur exécutif de Fear the Walking Dead. Donc en gros il avait les clés des deux séries, alors qu'en plus il faisait quand même il a fait quand même pas mal de la merde. On lui donne encore une fois l'occasion de faire encore plus de la merde. Donc il avait les clés des deux série dans tous les cas, ce qui fait que ça ne change pas grand chose puisqu'il les a toujours. Donc à la place de Scott Gimple, on a donc Angela Kang. Angela Kang qui est arrivée en tant que scénariste à la saison 2 de The Walking Dead, qui est ensuite devenue coproductrice exécutive. Donc c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, et de toute façon à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui est monté, qui est devenu showrunner, bah, c'était quelqu'un qui était là depuis très longtemps. Scott Gimple était là aussi depuis 2011, donc c'est pas trop étonnant. Les scénaristes aussi, c'est souvent ce qui arrive, hein. Les scénaristes deviennent souvent showrunner, donc ça c'est pas tellement une surprise. À savoir, est-ce que c'est une bonne ou une pas bonne nouvelle? Bah en fait je suis assez mitigée. Pour moi clairement ça change pas grand chose, surtout qu'Angela Kang a dit que de toute façon elle continuait à travailler avec Scott Gimple, de toute façon ça va être son supérieur vu qu'il supervise toutes les licences télévisuelles de The Walking Dead. En fait ce que ça veut surtout dire, le fait qu'ils deviennent Chief Content Officer, ça veut dire surtout qu'ils sont déjà en train de préparer les prochains spin-offs. On était déjà au courant qu'il y en aurait d'autres parce qu'on nous disait que The Walking Dead allait durer peut-être 20, 30, 50 ans et que ce serait par le biais de spin-offs, donc ça c'est pas une surprise, mais ça veut dire qu'ils sont déjà en train de préparer le prochain spin-off. Vous allez me dire que quand même le timing a été bien choisi puisqu'il y avait quand même une pétition qui demandait à ce que Scott Gimple soit viré. Il y avait quand même 82 000 signatures, ce qui est quand même énorme. Et effectivement, je pense que AMC a senti qu'ils allaient forcément avoir à faire un pas vers les fans sans pour autant licencier Gimple. Alors là, Gimple, je sais pas ce qu'il a comme pouvoir là-dedans. Je pense qu'il y a peut-être un délire par rapport au licenciement et ça coûterait une fortune. Je pense aussi très clairement qu'ils aiment collaborer avec et qu'à mon avis, c'est un espèce de pantin et il fait à peu près tout ce qu'ils veulent. Ou peut-être c'est un franc-maçon, un Illuminati, je sais pas, en tout cas il y a un truc. Et surtout dans l'annonce officielle pour annoncer que Gimple passait Chief Content Officer et que c'était Angela Kang qui prenait la relève en tant que showrunner, bah c'était vraiment du brossage mais totalement quoi, je veux dire là on brossait totalement au sens du poil, avec énormément d'admiration et pour remercier de l'impact qu'il a eu sur la série, Scott Gimple passe donc Chief Content Officer pour superviser toutes les licences télévisuelles de The Walking Dead. Est-ce qu'il y a besoin de faire autant de formules que ça? Je veux dire, vous venez limite, vous lui dites en privé, mais est-ce que vous êtes obligé de dire oh là là, avec toute l'admiration qu'on a pour lui et tout ce qu'il a fait pour la série, il a tant donné et ceci cela. Pff, c'est trop quoi. Bien, déjà vous savez que les fans on en a marre et vous êtes en train encore de nous faire un papier cadeau. Et là où j'ai été achevée, et ça s'est passé quelques jours avant, alors là où j'arrive pas à comprendre, c'est Kirkman qui effectivement dans tous les cas on savait qu'il avait pas le choix que d'aller dans le sens de Gimple. Je m'attendais à ce qu'à un moment donné il fasse forcément une déclaration. Effectivement il a dit bah oui que par rapport au choix de Carl, parce que c'est vraiment là où on en revient, c'est vraiment là qui a déclenché tout le truc, même si ça fait longtemps qu'on dit Gimple, il y a ça qui va pas, Gimple, il y a ça qui va pas non plus. Là, le fait que Carl meure, ça a été le déclencheur d'une haine totale envers ce showrunner. La pétition est née suite à ce choix scénaristique qui a été ô combien décrié. Donc dans son interview, Kirkman nous explique que c'était à peu près il y a un an que Gimple est venu le voir pour lui proposer de tuer Carl. En fait, c'était pas sûr, il avait juste dit bon bah c'est une possibilité, est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que tu serais d'accord? Je suis pas sûr que Kirkman peut encore dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord et qu'il en ait vraiment quelque chose à faire derrière Gimple. Mon avis, c'est juste par politesse pour pouvoir dire aux fans regardez, on a quand même demandé au créateur et tout, si ça lui posait pas de problème. Si ça lui pose pas de problème, c'est que c'est bon. De toute façon, après, il a son petit cachet. Donc voilà, je veux dire, c'est très très spécial. Et c'est pour ça qu'en fait, je trouve que c'est une des séries. Il y a tellement de scandales, il y a tellement de trucs qui sont dégueulasses, je trouve. Et tout est une façade, en fait. Je pense que derrière, c'est un micmac. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent pas se voir. Et je pense que Kirkman, il peut pas supporter Gimple et tout. Surtout que bon, Kirkman a quand même attenté un procès à AMC. Donc c'est pas comme si les relations étaient vraiment au beau fixe. Donc Kirkman qui dit qu'effectivement il supporte le choix de Gimple, hein, il le soutient là-dedans, en expliquant qu'effectivement lorsque les personnages meurent, bah normalement
finalement, ce qu'ils veulent, c'est justement pas que les gens soient contents que les personnages meurent, mais au contraire, c'est fait exprès, si tout le monde est déçu et tout, c'était fait exprès pour servir un but qui était bien plus grand, et qu'effectivement, sur le moment, il était quand même choqué que Gimple lui propose ça, qu'il avait quand même quelques appréhensions, mais qu'une fois qu'il lui a expliqué que c'était pour un plan beaucoup plus grand, et que ça servait l'histoire et tout ça, évidemment, là, il a compris, il s'est dit oui, c'est une bonne idée, faut faire ça, et tout, donc du coup, il soutient. Seulement, question, ça fait quand même un bail que l'épisode est passé, pourquoi on n'a pas entendu Kirkman avant? Pourquoi on l'entend 2-3 jours avant de savoir que Gimple dégage? Enfin, je veux dire, là, il y a... Je pense qu'il a fait traîner au maximum, je pense que normalement, on lui avait demandé, dès le passage de l'épisode, de faire une déclaration. Dès que ça commençait à faire scandale au niveau des fans, je pense qu'il a fait traîner le truc pour laisser le doute et tout, pour faire comprendre aux gens, écoutez, si je parle, c'est parce que j'ai pas le choix, j'ai un cachet à prendre, enfin voilà, je peux pas me les mettre à dos, clairement, c'est pas possible. Donc je pense honnêtement que Kirkman est pas fan de ça, déjà, qu'ils disent qu'il avoue vraiment qu'il avait des appréhensions. Bah, je me dis quand même, c'est que on touche quand même à son bébé, surtout que Carl, c'est un personnage qu'il adore, donc je vois pas à quel moment il a dû dire, ok, c'est bon, je pense qu'il a vraiment pas eu le choix, et de toute façon, il a pas eu le choix de dire qu'il était d'accord, parce que de toute façon, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on... Il peut pas aller à l'inverse. Je veux dire, là, c'est sûr que tous les fans du comics vont arrêter la série par respect. S'ils savent que même le créateur cautionne plus les choix qui ont été faits dans la série. Donc là, de toute façon, il n'y avait pas trop le choix. Donc, on se retrouve avec Kirkman qui, pour moi, n'est pas d'accord avec ses choix, mais est obligé de faire semblant. Gimple qui est donc promu. Donc, comme je disais, de toute façon, c'est pour préparer les futurs shows qui vont arriver, les futurs spin-off. Néanmoins, voilà, comme je disais, la question qui est importante, c'est est-ce que, finalement, ça va changer quelque chose? Parce que, du coup, vu que Scott Gimple sera quand même au-dessus d'Angela Kang. En plus, tous les deux ont dit qu'ils allaient continuer à travailler ensemble, donc la question, c'est est-ce que vraiment Angela Kang aura vraiment une liberté de faire des choses et tout, et dans ces cas-là, effectivement, ça change quelque chose, ou est-ce qu'au final, c'est pas une sorte de trompe-l'œil, et en fait, au final, le vrai showrunner reste quand même Scott Gimple, et Angela Kang reste en fait un petit peu son pantin, c'est-à-dire que lui serait toujours le showrunner, mais de façon officieuse, et qu'au final, on fait croire qu'on a changé les choses et tout pour calmer les ardeurs des fans, pour pas qu'ils partent, alors qu'au final, il y a peut-être pas grand chose qui vont changer. Si au final Angela Kang a beaucoup de liberté parce qu'au final Scott Gimple sera trop occupé avec la préparation justement des prochains spin-offs mais aussi de gérer un petit peu Fear the Walking Dead tout en étant toujours en train de surveiller The Walking Dead mais à une échelle un petit peu plus haute et un petit peu plus détachée, ben on pourrait peut-être avoir des choses assez intéressantes parce qu'elle a quand même écrit des épisodes qui étaient plutôt pas mal, il y en a d'autres qui étaient pas trop intéressants mais il y avait quand même certains épisodes qui étaient vachement bien. Alors j'avais noté l'épisode de la mort de Dale, le season finale de la saison 4, on a aussi le massacre de Garrett et les autres dans l'église, on a Rick qui était en sang là dans l'Alexandria juste après qu'il soit battu avec Pete, donc c'était quand même une image assez forte. On avait également la première apparition de Jesus, je trouvais que c'était un épisode qui était super marrant, j'avais dit c'est un des épisodes que j'aime beaucoup. L'épisode avec Maggie et Carol qui sont séquestrés par les Saviors, c'est un épisode qui est très très fort, très marquant aussi. On a l'épisode avec Carl et Negan au sanctuaire. L'épisode 9 de la saison 7 où on a, vous savez, le plan avec Rick et Michonne là qui sont en voiture et qui découpent les rôdeurs là, donc c'est assez sympa, c'est tout ce que j'ai retenu de l'épisode d'ailleurs. L'épisode en lui-même était pas ouf, mais juste cette séquence-là je trouvais qu'elle était assez dingue. Et enfin, on a l'épisode 5 de cette saison 8, justement, l'épisode le plus intéressant, je trouve, c'est celui avec Negan et Gabriel où justement on revient un petit peu sur le passé de Negan. Donc concrètement, elle a fait des épisodes très intéressants. C'est elle aussi qui a fait le mid-season finale. Donc du coup, on peut se dire, bon, c'est vrai qu'il était... Il avait de très très bons points. Et en même temps, avec le recul, je me dis, bon, c'était peut-être pas forcément l'épisode que j'attendais vraiment. Enfin, pas de cette façon-là, du moins. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses intéressantes. Mais en même temps, c'était très très brouillon. Dans les épisodes qu'elle a écrit et que j'ai moins aimé, il y avait un épisode pendant l'épidémie à la prison. L'épisode qui mettait vraiment en avant la relation entre Bess et Daryl. Il y avait la mort de Bess. Glenn et Nicolas qui sont sur la poubelle. Oui, vous savez, cette fameuse scène où on croit que Glenn est mort, mais en fait, tout le monde avait compris que Glenn n'était pas mort. Daryl qui était coincé avec Easy Street. Oui, cet épisode est séquestré et mange de la pâté pour chien, c'est également elle. Et l'épisode où Carl se fait mordre. Donc oui, il y a des épisodes très bons et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bons. Après, il faut savoir que même dans les épisodes bons, il y en a qu'elle a coécrit, donc bon, c'est pas forcément totalement de sa responsabilité si c'était bien ou pas. Évidemment, j'étais fortement intéressée par la réaction des gens, comment justement les gens allaient prendre ce changement de showrunner, et la plupart des gens sont inquiets, ils disent qu'elle a fait des épisodes qui sont pas terribles, je suis pas d'accord, je trouve que vraiment il y avait du très bon, du pas terrible, je trouve pas qu'il y avait non plus du très mauvais ou quoi que ce soit. La question la plus importante, c'est est-ce qu'elle aura beaucoup de liberté ou non, sachant que dans tous les cas, Gimple, c'est lui qui va dire dans quelle direction va la série, c'est-à-dire lui veut qu'elle aille dans cette direction, c'est-à-dire que s'il dit que demain il veut qu'elle aille la série, elle aille dans le fossé, c'est-à-dire qu'il y a juste Angela Kang, elle aura juste à dire bon on va aller comme ça dans le fossé, mais elle pourra pas changer les choses en fait, c'est-à-dire que là il veut que ça soit dans telle direction, ce soit comme ça ou ça s'arrête à
à tel moment, bah ça s'arrêtera à tel moment, ce sera comme ça et tout ça. Donc techniquement, voilà, les grandes choses, c'est lui qui va y décider, mais après, artistiquement, c'est elle qui va pouvoir avoir faire des choses intéressantes, et c'est là où, voilà, ça, c'est quand même mieux que rien, même si elle pourra, je pense, pas sauver la série. Je pense qu'elle peut redonner peut-être un nouveau souffle à la série, en tout cas j'espère, si vraiment elle a des libertés. Et si c'est ça le problème, c'est que même ce poste de Chief Content Officer, bah on nous dit pas exactement, on sait qu'il va superviser tout, mais on sait pas vraiment s'il va être un petit peu détaché de tout ça ou pas. Et de ce que j'ai vu dans les interviews, bah il va continuer à travailler très étroitement avec Angela Kang, donc j'ai l'impression que ça va pas changer grand chose malheureusement. Et il y a des réactions de fans qui m'ont assez surprise, parce qu'ils sont en train de dire que apparemment c'était une grande fan de Daryl, et que du coup on allait avoir du Daryl à toutes les sauces, ce que je suis assez étonnée, parce qu'effectivement il y a un épisode best Daryl. Alors il y avait tout un scandale, parce qu'effectivement tout le monde est en train de dire oui mais bon quand même, elle a mis en avant une relation entre un mec qui a plus de 40 piges et puis une gamine de 16 ans dans la série, hein, effectivement, parce que Amy Kinney n'a pas le... enfin dans son rôle dans The Walking Dead, elle a pas le même âge qu'elle avait en vrai, du coup en vrai c'était quand même moins choquant qu'ils aient une relation ensemble plutôt que dans la série, vu l'écart d'âge des personnages. Sauf que moi je suis toujours pas d'accord avec le truc comme quoi Bess et Daryl se seraient... y aurait une espèce de romance, je trouve plutôt que c'était un grand frère ou quelque chose comme ça, il a été touché par cette fille. Et effectivement, si peut-être il y avait un time jump et que des années après, voilà, elle est majeure, elle est beaucoup plus vieille et tout, à la limite, il peut se passer quelque chose, mais là, clairement, pour moi, dans la série, c'était impensable qu'un mec d'une quarantaine d'années sorte avec une gamine de 16 ans. Je veux dire, là, non. Je pense que The Walking Dead peut faire pas mal d'erreurs, mais là, je pense qu'on est dans un autre truc. Donc, du coup, il y a ça qui est revenu sur le tapis. Et du coup, de se dire que Daryl allait être encore plus présent dans les futures saisons. Alors, moi, ça me pose pas de problème hein, que Daryl soit plus présent du moment qu'on lui remette son état d'esprit d'avant. C'est-à-dire, voilà, qu'il fasse pas n'importe quoi et des actes complètement inconsidérés et qui n'ont aucun sens, qui en plus mettent en danger tout le monde. Voilà, tout simplement. C'est sûr que si là, on laisse dans l'état d'esprit du début de saison 8, moi je vais plus le voir. Je veux dire, vous le faites mourir, vous faites quelque chose, j'en peux plus quoi. Clairement, par contre, si vous faites quelque chose d'intéressant avec, là par contre, je suis d'accord. Donc il y avait tout un truc comme ça, et surtout beaucoup de gens pensent, et c'est vrai que du coup, je suis en train de me poser la question, que Daryl serait donc le remplaçant de Carl par rapport à l'arc des chuchoteurs, et notamment par rapport à une relation qu'il aura avec une certaine personne. Je ne vais pas vous spoiler, de toute façon, ceux qui ont lu le comics voient de quoi je parle. Donc ce serait Daryl qui remplacerait Carl. Pourquoi pas? Je suis en train de me dire, c'est pas si bête, parce qu'au final, Daryl n'a pas d'arc romantique. Enfin, je veux dire, voilà, Carol, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que pour un moment, je pensais vraiment qu'il y avait une romance et tout. J'ai l'impression qu'après, en fait, je pense qu'au début, on a entamé une espèce de romance entre les deux, et qu'après, on est parti sur un délire mère-fils, et qu'après, c'était un petit peu ambigu. Enfin, voilà, on joue avec ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est une question qui est revenue même dans les Talking Dead, c'est-à-dire les fans, ils en parlent encore, est-ce que Carol et Daryl, ça peut se faire? Donc, c'est quelque chose qu'on entretient encore et tout, et voilà, c'est ce doute, alors que Carol, normalement, bon, avec Ezekiel, je me demandais à un moment donné si Carol et Morgan pouvaient avoir un truc, mais bon, du coup, bah, c'est sûr que ça arrivera pas maintenant, c'est sûr maintenant. Du coup, The Walking Dead aime bien jouer là-dessus, donc effectivement, Daryl remplaçant Carl, ce serait possible. Surtout que Kirkman a dit que de toute façon, ça poserait pas de problème que Carl meure, puisque de toute façon, son arc scénaristique sera donné à d'autres personnages. Bah, c'est vrai que là, quand on réfléchit au candidat, bah, Daryl, ça peut être quand même une bonne idée. Après, faut voir comment ils vont réussir à nous faire ça, parce que bon, le personnage en question est censé être jeune, donc aussi jeune quasiment que Bess à l'époque. Donc là, on se reposera encore la même question, Daryl et puis une fille beaucoup plus jeune, non, donc va falloir changer beaucoup de choses. Et même si Kirkman dit qu'il a envie que les gens soient aussi excités que lui à l'idée de regarder la série, bah je suis désolée, il y a certains choix, c'est pas tellement un problème de s'éloigner des comics, faut juste qu'en fait ce soit cohérent, parce que là Carl, clairement, en fait le problème c'est pas de tuer Carl, tu as un personnage qui est aimé en soi, c'est pas le problème, le problème c'est qu'il faut que ce soit cohérent. Et là, peu importe ce qu'on nous dit, peu importe les promesses que nous fait Gimple, Kirkman et autres en nous disant oui mais de toute façon vous allez voir que ça sert le reste de la saison, que là on est sur un nouveau monde, sur une nouvelle histoire, sur un nouveau The Walking Dead, sur de nouvelles choses et tout, et que de toute façon effectivement ça va servir au personnage de Rick, ça va, vous allez comprendre qu'au final c'était nécessaire. Bah vous savez quoi, enfin moi pour le coup, de toute façon on pourra pas non plus dévier totalement des comics vers la fin de la saison, certains verront de quoi je parle, et du coup dans tous les cas pour moi je ne vois même pas comment ça peut être cohérent de tuer Carl en fait, j'ai beau essayer de comprendre et j'ai beau vouloir laisser la chance de me dire que ça peut être crédible ou quoi, je ne vois pas en comment ça peut être cohérent, je ne vois pas comment on peut nous changer tout ça, je vois pas Rick qui survit et tout alors que Carl est mort, enfin comment il peut avoir envie de se battre et tout, je comprends pas en fait, pour moi c'est totalement incohérent. Je pense que le mal il est fait et qu'il faut juste essayer de réduire au maximum les pots cassés quoi. Pour moi clairement le fait d'avoir changé de showrunner c'était la dernière tentative d'AMC de sauver la série, je pense que là c'est terminé. Donc là, elle sera donc la showrunner de la saison 9, hein, de toute façon, donc la saison 8 a été déjà bouclée, donc là, ce sera pour la saison 9. Gimple a dit, oui,
oui, effectivement, ça approche de la 10e saison et tout ça, qui était vierge, je sais plus quoi, enfin bon, tout un truc. Donc effectivement, elle parle de la 10e saison. Et souvenez-vous, dans ma vidéo, je vous avais dit, pour moi, The Walking Dead s'arrêtera à la 10e saison. À la 10e saison, Rick meurt. Et ensuite, il y aura un spin-off, peut-être avec Judith, etc. Et tout. On en reviendra parce que justement, j'ai une vidéo sur Judith qui va bientôt arriver. Mais pour moi, là, on est clairement à la fin, c'est-à-dire dernière tentative de sauver la série, c'est-à-dire Angela Kang va faire la saison 9 et la saison 10 en tant que showrunneuse. Et ensuite, c'est terminé. Et justement, là, je suis encore plus dans cette conviction-là. Parce que Gimple parle justement de cette 10e saison. En plus, on le met Chief Content Officer pour justement superviser les différentes séries, plus les prochaines. Donc clairement, là, on est certain qu'il est en train de préparer les prochains spin-off. Donc pour moi, on est en train de faire l'après The Walking Dead. On veut juste finir en beauté The Walking Dead et on est déjà en train de partir sur d'autres projets. Je pense qu'il y a déjà une équipe derrière et tout. Enfin, il y a tout un délire. Après, je peux me tromper. Mais si on fait durer la série indéfiniment, on peut changer autant de showrunner qu'on veut. À partir du moment où le mec au-dessus décide que ça va être comme ça, machin, ça changera pas grand-chose. Donc en fait, une information en demi-teinte, comme je disais, c'est soit Angela Kang a de la liberté, et dans ces cas-là, on peut se dire qu'il va y avoir des choses qui vont être intéressantes qui vont arriver. Je pense que dans tous les cas, il va y avoir plus de choses intéressantes, ça pourra pas être pire de toute façon, j'ai envie de vous dire. Il y aura des choses intéressantes, donc dans tous les cas, c'est positif. Néanmoins, j'ai pas envie non plus d'être dans l'extase et tout, de me dire c'est génial, et d'être de m'y voir déjà et de me dire voilà, en fait, de toute façon, c'est bon, la série elle est sauvée et tout. Je suis pas du tout à fond optimiste, un petit peu, mais je pense pas que non plus ça va révolutionner vraiment la série. Changer les choses comme jamais. C'est en demi-teinte, c'est à voir, mais voilà, ça va être des changements, ça ne vous attendez, je pense pas, à des choses extraordinaires. Il y aura peut-être des épisodes marquants et tout, et je pense de toute façon que très clairement, rester sur 16 épisodes par saison, de toute façon, on continue d'aller droit dans le mur, donc je pense que tant qu'il n'y aura pas une modification par rapport à ça, ça va être difficile. Après, c'est vrai qu'il y a des séries qui s'en sortent très bien avec 20 épisodes, par exemple Vikings, mais bon, c'est très différent, il y a un contexte historique, il y a, par exemple, il y a des time jumps aussi pendant les saisons, il se passe beaucoup de choses, on a l'impression de voir deux saisons en une en fait, parce qu'il y a un time jump au milieu de la saison. Et du coup, il se passe encore autre chose en deuxième partie. Là aussi, c'est vrai qu'ils ont essayé de faire ça avec la saison 8 en disant oui, Carl meurt, et du coup, il y a toute une. La saison sera plus du tout la même, soi-disant, à partir de l'épisode 9. Mais bon, j'ai du mal à croire, parce que vraiment, le début de saison 8 était quand même assez mollasson, quoi. J'aurais quelques épisodes, 2, 3, 4, par exemple. 2, 3, 4 et 6, c'était pas non plus le... Bon, c'était pas l'extase, donc bon. On va voir avec une voix showrunner ce que ça peut donner, mais je suis pas... Voilà, c'est pas la fête, quoi. C'est pas la fête. C'est cool, je suis contente, c'est mieux que rien, vraiment. Au moins, ils ont fait un pas vers nous, et voilà. Mais d'un côté, le fait de l'avoir promu Gimple, je trouve ça juste insultant et du foutage de tronche et c'est comme ça. De toute façon, hein, on n'a pas l'argent, c'est qu'on l'argent, c'est qu'on le pouvoir, donc ils font ce qu'ils veulent. Puis de toute façon, voilà, hein, je veux dire, lisez les comics, hein, dans tous les cas, si jamais ça devient vraiment n'importe quoi, on a toujours les comics pour pleurer. Et effectivement, il y avait beaucoup de gens qui s'inquiétaient du fait que les comics puissent changer par rapport à la série, justement, pour essayer de rattraper ça. Et Kirkman avait toujours dit que ça n'arriverait pas, et je pense pas que ça arrivera, je l'espère pas, parce que là, vraiment, je pense qu'on aura détruit une œuvre complète si on fait mourir Carl juste parce que dans la série, il meurt. Je pense pas que ça arrivera, donc là, vous inquiétez pas, normalement, ça devrait bien se passer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que cette nouvelle a provoqué chez vous. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'au contraire vous trouvez que ça change rien et au final peut-être que c'est pire? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!